Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de La Cellule, 15e émission déjà, et avec nous ce soir, Flavie, Cédric en invité spécial guest star venu tout droit de Lille. Ça va Céd ? La forme ? La forme. Tu pètes le feu ? Ouais. Ok. Pierre est avec nous également. Bonjour. Bobo. Bonjour. Et Thomas Poussou. Bonjour. Un podcast avec beaucoup de monde, beaucoup de gens pour passer avec vous ce réveillon, ce premier de l'an. Bon, eh bien, on va passer à nos seconds couteaux maintenant, notre thème principal. On va les passer en revue chacun. Les seconds couteaux. Qu'avais-tu les seconds couteaux ? Donc, les seconds couteaux, c'est-à-dire ? Alors, les seconds couteaux, ce sont les personnages qui ne sont pas donc, au premier plan. Ils sont donc au second plan, comme l'indique leur nom. Et ce sont des gens qui, sont des personnages qui sont plus malléables que les autres. On va pouvoir en faire un petit peu plus ce qu'on veut. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de les aborder, puisqu'on va avoir des visions différentes, nous, des personnages. Hein. Ouais. Prenons l'exemple de Maria Gridway, on va pas du tout avoir la même conception selon le maître de jeu ou selon le personnage. Donc voilà, ce sont les gens qui sont... C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, les personnages secondaires. C'est vrai qu'ils sont plus malléables, mais j'ai quand même envie de dire que les runes, que ce soit Solipsis, Finnfinger, les maîtres de jeu peuvent quand même en faire ce qu'ils veulent. Quoi. Oui, non, mais moi, quoi, on va pas faire, tu vas pas faire. Tu peux parler plus près de ton micro si tu veux, Céd, parce que tes oscillations sont basses. Ce que je veux dire, c'est que voilà, par exemple, Solipsis, tu vas pas voir Solipsis picoler tous les trois quarts d'heure, quoi. Enfin, c'est. Tandis que, par exemple, tu peux faire un Gladius Ward alcoolique ou tu peux en faire quelqu'un de plutôt justement froid, plutôt quelqu'un de chiant, renfermé. Eh bien, justement, voilà. On va commencer par lui, justement, ce bon vieux Gladius Ward. Tiens donc, quelle surprise ! Tiens donc, qui est Gladius Ward ? Bonne question, Céd. C'est toi le spécialiste de la question, je pense. Spécialiste, je sais pas, mais en tout cas, Gladius Ward... c'est toi qui tripais clairement sur le personnage, quoi. Ouais, c'est le général en chef de la Résistance. Bah en fait, Gladius Ward, c'est le mec, c'est le remplaçant de Phil Longfinger quand même. Le suppléant, moi je dirais. Ouais, le suppléant. C'est le papa des bugs. Ouais. Moi je vois plus comme ça, comme le papa des bugs. Vision paternaliste de Gladius Ward. Ah. Ouais, mais le truc c'est qu'il y a quand même une lourde responsabilité Gladius Ward, parce qu'on a quand même Phil Longfinger qui est un dieu pour les résistants, un archange. Phil Longfinger se casse la gueule et c'est Gladius Ward qui recolle les morceaux. Quoi. Donc, je trouve ça intéressant que ce soit un humain qui reprenne les rênes justement. Il y a Solipsis derrière, mais. Ouais, bien sûr, mais bon, ça change. Si t'as un problème, c'est Papa Gladius que tu vas aller voir. Alors, justement, sur sa manière, comment est-ce que vous l'interprétez, vous, le Papa Gladius ? Vraiment, de cette manière paternelle, ça vous convient parfaitement ? Moi, c'est vraiment comme ça que je le fais. Un mec super sympa, à chaque fois qu'il voit les joueurs, super gentil, il va leur faire un salut amical. Ouais. Vraiment quelqu'un de super sympa. Par contre, le vrai avec le côté gestion, je vois plus effectivement comme le père, c'est son boulot, donc les bugs ne voient pas vraiment tout ça, mais effectivement, c'est quand même quelqu'un de super important. Ouais, entièrement d'accord avec Thomas. Moi, quant à ma façon de le jouer, c'est vrai que j'en fais quelqu'un qui est plutôt sympa, qui ne va pas te foutre des claques dans le dos quand tu vas raconter une bonne blague, mais c'est quelqu'un qui va essayer de garder en fait, son statut de général. Quoi. Ouais. Donc voilà, tu vas le voir, tu as un problème, il va passer du temps avec toi, il va résoudre le problème. Mais si tu lances une bonne blague, tu vas apercevoir le sourire qui est fugitif, il va essayer de garder son calme, des fois il va craquer, bref, c'est quelqu'un d'humain, du soir d'avant tout. Quoi. Est-ce que c'est pas aussi quelqu'un qui... essaye de justement d'amadouer les bugs de cette manière-là à une cause qui n'est pas forcément évidente. Ah moi je le joue pas du tout comme ça. Moi c'est vraiment pour moi je considère qu'il aime vraiment les bugs quoi. Ouais. Je fais vraiment un papa gâteau. Hein. Bah pour reprendre moi sur Gladius Ward. Ce sont les points de tension en fait par rapport à Gladius Ward. Parce que pour qu'un personnage soit intéressant il faut aussi qu'il y ait de la. Ouais c'est ça en fait le truc c'est que c'est vrai qu'au début on a le côté sympa paternaliste et tout. Mais le père Gladius Ward, des fois, il a des trucs à gérer qui ne sont pas forcément jolis, quoi. Il a quand même des mecs à sa table comme Viggo Nemeo au conseil. Ouais. Donc, il y a un petit côté noir sur lequel doivent s'interroger les joueurs, à savoir que voilà, c'est bien d'avoir le pouvoir, mais il y a des fois, faut faire quelques sacrifices. Quoi. Ça peut être des sacrifices d'idéaux, ça peut être des sacrifices de personnes. Ouais. Tu penses à Wilfried quand tu dis ça ? Alors, je pense à Wilfried, évidemment, mais je pense également aux résistants qui vivent au pôle sud et qui, eux, vivent quand même dans les taudis, conditions qui sont hyper déplorables, pendant que ces bugs, eux, ils sont bien au chaud dans la caserne et tout. Et ça, c'est un choix délibéré hein, que fait Gladius Ward. Clairement, on privilégie, évidemment, quand tu vas être sur un échiquier,
tu vas évidemment privilégier plutôt ta reine, plutôt tes cavaliers ou autres, plutôt que ton petit pion quoi, qui est sur le côté. Bon, c'est une vision un petit peu réductrice hein, des échecs, mais c'est ça. Quoi. Donc je vais faire tout pour que mes bugs soient vraiment ce qu'ils veulent. Quoi. Ça, c'est pas... C'est vrai que ça, bah, ça rompt un peu avec la gentillesse qu'il a envers les bugs. Il l'a pas pour les autres résistants, tu penses ? Alors, si, il l'a, mais comment dire ? Les bugs peuvent et même doivent justement s'interroger sur cet état de fait. Eux, ils ont tout. Et les résistants, derrière, ils n'ont quasiment rien. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et ouais, c'est Gladius Sword qui est en partie responsable parce que c'est lui qui a fait le choix. Ouais. Avec Solipsis, évidemment, mais... Ah non, c'est OK, d'accord. Ouais, c'est vrai. Et sinon sur la partie sombre en fait vis-à-vis de Wilfried quoi. À mon avis, il cache aussi des choses au bug en tout début de chronique. Ouais. À propos de ça. Alors, est-ce que il se sent vraiment le frère de Wilfried ? J'en doute. Moi dans ma vision du truc, c'est qu'il espérait en fait que Wilfried soit la renaissance de son ancien protecteur qui est Finumfinger en fait. Je pense que si Gladius avait pu survivre pour voir ce que devenait Wilfried, il aurait été très déçu. Parce que je pense qu'il attend de Wilfried, en se sacrifiant justement pour le sauver, il attend de Wilfried qu'il reprenne le flambeau et devienne un nouveau Finlongfinger, je pense. Alors, il y a de la fraternité, bien sûr, mais il y a aussi ce petit côté, il a de l'espoir que cet immortel, qui a quand même son siège au conseil, reprenne un jour le flambeau et finalement... parce que je ne sais pas si... Moi, je suis assez d'accord avec la théorie de Flavie, dans la mesure où c'est vrai qu'au début, les sentiments de Gladius Sword, moi, je l'ai fait, Gladius Sword et Wilfried, très éloignés, quoi, parce que quand même, Wilfried, c'est un mec qui refuse son siège au conseil. Alors que Gladius, lui, il prend les responsabilités. Wilfried, c'est quelqu'un qui fuit, qui se cache, c'est clairement quelqu'un de lâche, quoi. Tandis que Gladius, lui, c'est l'inverse, au contraire, il prend des problèmes à bras le corps et c'est lui qui va gérer la sauce. Donc c'est vrai que moi je suis d'accord avec Fly pour les sentiments qui se développent au fur et à mesure de la chronique. Dans la première base, on disait que Gladius était plus cool, entre guillemets, plus pacifiste que son père. Et c'est dans la toute première base à laquelle on n'a jamais eu accès, enfin à laquelle les auditeurs n'ont jamais eu accès, mais on dit qu'il est plus pacifiste que son père. Qu'est-ce que tu en penses, ton avis, Cédric ? Ouais, je suis assez d'accord aussi dans ce sens-là, puisque Gladius Sword, et ça rejoint un petit peu la vision paternaliste, il va calculer. Avant d'envoyer des bugs au casse-pipe, il va voir s'il n'y a pas trop de risques. C'est-à-dire, il ne va pas envoyer un bug affronter deux quadrillas, ça ne va pas être possible. Quoi. Il va s'assurer que les bugs soient 4, 5 avant de les faire partir. Et c'est là-dessus où ça va changer complètement avec Finlongfinger qui va foncer dans le tas et point barre. Quoi. Alors maintenant, le pavé dans la mare, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la suite de l'histoire de Sens. Est-ce qu'on ferait une contradiction à faire en sorte que tel ou tel événement ait lieu ou n'ait pas lieu ? Gladius Sword, peut-il, oui ou non, survivre ? Est-ce qu'il est possible que ce PNJ survive ? Thomas, je me retourne vers toi, parce que dans ta chronique, dans ta campagne, tu as fait quelque chose d'assez extraordinaire quand même. Au moment où, tu l'as fait tuer par, raison historique. Je me souviens de... T'as fait intervenir l'aiguilleur plus tôt dans ta campagne et il le tue devant nous et il dit c'est ainsi que ça doit se passer. Effectivement. Alors là, t'as pris un engagement direct. Donc pour mourir. Pour moi, il doit mourir parce que les répercussions qu'il ferait du fait qu'il soit vivant sont quand même assez importantes. Exemple, sur la Lune, au moment où Finlongfinger fait Solipsis mourir, si Gladius était vivant, il n'aura peut-être pas réagi de la même façon. Tu penses ? Pourquoi ? En fait, là, qu'est-ce qu'il se retrouve avec Finlongfinger ? Il perd Gladius. Ouais. Il perd Maria. Il perd Solipsis. Ouais. Ah, il perd tout. Il perd tout. S'il restait rien que Gladius, peut-être qu'il réagirait différemment. D'accord. Alors, imaginons si Maria ne mourrait pas. Ouais, d'accord. Alors, on en reparlera peut-être. Est-ce que ce serait vraiment la fin ? Ouais. Donc, liberté de le faire. Moi, je sais que... je pense que c'est un moment, c'est le personnage qui doit mourir, parce qu'en fait, ça permet aussi au bug de se rattacher à Solipsis. Ouais, d'accord. Moi, je sais que je joue comme ça au départ. Solipsis, je suis quelqu'un d'assez distant et Gladius, quelqu'un de très sympathique. Et au moment où la personne sympathique meurt, faut que tu te raccroches à quelque chose, quoi. Donc, tu as le choix, soit Finlongfinger, quelqu'un de puissant, un héros, soit plutôt Solipsis, qui là commence à devenir un peu plus maternel. Ouais, la vie. C'est-à-dire. En même temps, on a déjà une histoire assez stéréotypée, pour l'instant. De ce que mais après tout, si Gladius meurt pas, on peut dire aussi que
Ah, j'ai perdu son nom. Wilfried n'est pas au courant de qui sont ses vrais parents. Donc peut-être qu'il n'irait pas de l'autre côté, du côté obscur. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait, mais bon. Mais ouais, alors en tout cas, pour vous, clairement, Gladius ne peut pas survivre. C'est un personnage qui est voué à... Comment dire ? Il peut survivre, mais je trouve que Gladius, en plus des raisons qui sont excellentes de celles de Thomas, je trouve très bien. En plus, Gladius doit incarner ce qu'est un résistant. Ouais. Et un résistant, avant tout, c'est une volonté de sacrifice. Toi, tu vas loin. Hein. Gladius, pour moi, doit crever. Parce qu'il y a un moment, les résistants, ils doivent se prendre une grosse claque dans la gueule. Ouais. Et se dire, voilà ce que lui a été capable de faire. Moi, c'est vraiment l'esprit dans lequel j'ai fait jouer ces scènes au début. C'était vraiment l'idée de se dire, on va avoir un personnage qui va mourir. Et vous voyez, c'est pas de la blague, quoi. Les PNJ, ils ont beau être les plus importants possible, parce qu'au début, bien sûr, Gladius est très important, ils peuvent crever, quoi. Ça veut dire que je vais pouvoir aussi, vous, en tant que joueur, vous tuer. Ça me dérange pas, quoi. Je peux charcler qui je veux, quoi. Il va y avoir des coups à payer, vous allez avancer, mais ça va être dur, quoi. Pour moi, c'est le premier coup de semonce où tu dis, sans, ça va pas être facile, quoi. Ouais, ça. C'est le précurseur de Death, quoi. Il y a un truc que je peux pas supporter dans les séries. Je prends par exemple l'exemple de Naruto dont on parlait hier soir ensemble. Ouais. C'est que le mangaka, donc le créateur de la série, n'arrive pas à tuer ses personnages. Et ça m'insupporte. Ouais. Sinon, un petit conseil de jeu par rapport à Gladius, moi je l'ai fait, marche, c'est génial. C'est vous faites un scénar, moi je l'ai passé à Cuba, quoi, où vous accompagnez Gladius. Où là, les bugs accompagnent Gladius. Donc pendant tout le scénar, tu le fais avec Gladius. Ouais. Et du coup, tu lis beaucoup, enfin, t'as beaucoup plus de liens, beaucoup plus d'intimité et tout. Et tu fais en sorte que Gladius. Sauve un perso, montre son véritable visage, quoi. Le combattant qui est hyper héroïque, qui serait prêt même à se sacrifier, qui prend les coups pour ses bugs. Mmh. Et puis après, comme ça, Aqua City, tu le fais crever. Comme ça, ils ont bien la dalle, les bugs. Ouais, ils s'y attendent pas, quoi. Enfin, ça les fait bien chier. Ouais. Ouais. Parce qu'au début, t'as cette aura. C'est vrai que peut-être. Pas, c'est cool. Ouais. Peut-être que les scénars de la base ne sont pas. Enfin, les scénars, les nouvelles proposées, on va dire, ne sont pas assez. Paternelles, fraternelles entre Gladius et les bugs. Si on se contente de faire les scénarios. Qui sont présents dans la base, je pense qu'il n'y aura pas cette relation avec Gladius Sword. C'est au maître de jeu d'élaborer ses scénars. Moi, je pense que la base n'a pas à faire ça. Et de deux, c'est aussi au maître de jeu d'innover, de s'adapter en fait à ses joueurs. Clairement, s'ils aiment Gladius Sword et autres, on va aller dans ce sens-là plutôt. D'accord. S'ils ne l'aiment pas trop, on va jouer sur autre chose. L'avantage des seconds couteaux aussi, quoi. Voilà, tout à fait. Cédric, tu vas passer ton micro à Pierre et à Bobo. C'est un peu en retrait pour le moment. Parce que là, on va passer, et Flavie, tu vas garder le tien, que tu partageras avec Céd. Parce que là, on va passer à un personnage qui vous concerne plus, en tout cas qui concerne particulièrement le personnage de Bobo Nathaniel. C'est le personnage de second couteau, mais bon, est-ce qu'il est vraiment second couteau ou pas, de Maria Gridway. On l'a pas entendu. Elle était très fine. Bravo Thomas, c'était un bon fourreau. Extraordinaire. C'est magnifique. Je suis fan. Maria Gridway. Alors, là, pareil. Comment ? Bon, je. Bah, c'est ouais, c'est. Je sais pas. Pour moi, grid, ça veut plutôt dire dévorant, en fait. Mais bon, l'avarice, c'est pas. Enfin, pour moi, grid. Enfin, je sais pas. C'est une mauvaise traduction, dévorant. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, étymologiquement, moi, je voyais ça plutôt la manière dévorante. Enfin, c'est un personnage dont je voulais qu'on sente dans le nom, en tout cas, pas la méchanceté, mais le chemin qui allait devenir un peu lugubre, obsessionnel. C'est pour ça que j'ai choisi de l'appeler Gridway. Moi, pour moi, Grid, je traduirais par dévoré. Voilà, mais bon, après. Alors, comment est-ce que vous interprétez Maria, vous, quand vous êtes maître de jeu? Ou comment, en tant que personnage, vous avez interprété ce personnage de Maria? Écoute, pour l'instant, j'y suis pas encore, mais moi, j'aurais voulu parler de la Maria telle qu'elle a été amenée dans notre chronique. D'accord, ouais, nickel. Donc, j'enchaîne sur la question que tu allais nous poser, comme Gladius, est-ce qu'il faut qu'elle trahisse ou pas ? Qu'elle trahisse ou pas ? Ouais, c'est clair. Et donc là-dessus, pour moi, c'est clair. Il faut qu'elle trahisse. Il faut qu'elle trahisse. Il faut qu'elle trahisse.
moi, je vois ce que ça a amené au niveau de du personnage de Nathaniel. Ouais. C'est le conflit intérieur entre... parce que le personnage a une relation amoureuse avec. Ouais. C'était, voilà, je suis Bug. Ouais. En allant sur la Lune, le combat est idéologique, il est plus militaire. Ouais. Et là, c'était vraiment ce qui faisait vraiment la transition, c'est-à-dire que voilà, j'ai quelqu'un en face de moi envers qui je suis très attaché, ouais, mais c'est devenu un ennemi idéologique. D'accord. Et donc là, il y a le choix qui se pose, personnel ou professionnel, entre professionnel, guillemets. Professionnel, entre guillemets, ouais. Ok. Donc... Et je trouvais que Maria, c'était un bon média pour que les personnages se posent cette question. Se disent, on n'est plus seulement des bras armés, on va sur la Lune pour amener le message de la résistance d'une autre façon. Ouais. Et c'est aussi pour moi un personnage qui passe le relais comme ça. On parlait de Gladius, le fait de perdre une icône paternelle ou choses comme ça. Ouais. Là, Maria aussi, c'était un moyen de faire un passage pour que les Bugs soient plus responsables et s'impliquent dans le combat de la résistance. Alors, après, vous, sur votre chronique, c'est pour ça que je trouve... Fly. Ouais. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas, Flavie, c'est que d'un coup, ton micro ne fonctionne plus. Est-ce que tu as fait off dessus ? Eh oui, il était sur off. Pardon. Vas-y, répète, du coup, Flavie. Donc, je disais pour... Que de soucis techniques ce Mais soir. Oui, excusez-nous. Je disais pour le perso de Lina, c'était important, parce que c'était celle qui lui avait tout appris, c'était son professeur. Et je sais que tu m'avais préparé un combat avec elle, et qu'au final, moi, j'ai laissé tomber mes armes... Et on a fait un combat à la cheville Zodiac, si je puis dire. Quoi. Ouais. C'était un combat d'idées. Genre, pourquoi reviens avec nous et lui montrer qu'au final, je ne me battrai jamais ça, contre elle. Ça, tu peux mieux le faire avec le système actuel qu'avec le système qu'on avait. Parce qu'à l'époque, le système qu'on avait, c'était un système très orienté vers le combat, avec des dés. Et du coup, moi, je n'utilisais jamais les armes. Voilà. Donc, alors que là, aujourd'hui, avec les runes, en fait, tu pourrais soutenir ce discours avec elle. Mais là, du coup, c'était quand même intéressant parce qu'on n'a pas combattu. Au final, elle se disait peut-être que tu as raison. Et au moment où j'arrivais à la faire changer d'avis, de toute façon, les conséquences de ses actes la rattrapaient. Mmh. Et elle ne pouvait pas revenir dessus. Mmh. C'est une question qu'on s'était posée aussi en préparation de ce podcast. C'est est-ce que Maria a des raisons suffisantes, selon vous, de trahir la résistance ? Ça, c'est Cédric, je te vois soulever les sourcils. Genre, alors, c'est compliqué. Quoi. Moi, Maria, j'en ai fait un second couteau hyper important des Rebirths, des Renaissances. Rapproche ton micro, Cédric. Je suis à blog, je suis en train de faire un bisou au micro. Ah ouais, putain, la vache, on m'entend pas. Donc, oui, j'en ai fait un personnage super important, puisque moi, dès le deuxième scénar, je fais un scénar autour de Maria Gridway. Ouais. Et le truc, c'est que Maria Gridway, dès le début, on voit qu'elle est capable d'énormément de choses par rapport à Finn Longfinger. Ouais. C'est-à-dire, voilà, je dévoile pas tout, mais elle tente en gros de faire ressusciter. Tu en as déjà dévoilé dans le podcast avant, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait parler du podcast de Finn Longfinger aussi, qui revient pas mal sur Maria. Ouais, et donc de ressusciter déjà Finn Longfinger. Donc, ouais, première cause, la cause sentimentale. Mais est-ce que cette cause est suffisante ? Est-ce que sa haine de Solipsis est suffisante pour... Carrément, franchement, c'est un personnage qu'on a beaucoup chié, quoi. Elle était amoureuse de quelqu'un qui l'aimait pas, enfin pas tel qu'elle le voulait. Ouais. Il meurt à cause de la personne qu'elle déteste le plus, enfin The Solipsis. Puis Phil Longfinger arrive et tombe dans les bras de Solipsis, quoi. Ouais. C'est-à-dire, elle en peut plus. Ouais. Elle pète un câble. Et puis, si je me souviens bien, elle passe pas de l'autre côté toute seule. Ouais. On l'aiguille gentiment. Ouais, elle est un petit peu aidée. Justement, en fait, c'est un petit peu. Dans les bouquins, lorsque je suis passé à l'écriture de tout ce qu'on avait vécu à travers nos chroniques, je me suis dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui donne suffisamment de pouvoir pour qu'elle puisse trahir facilement, parce que je me suis dit justement que ses raisons n'étaient pas forcément suffisantes, ses raisons sentimentales. Ouais, enfin, autre raison quand même par rapport à Solipsis Finn Longfinger, faut pas oublier que dans la tête de Maria, si Finn Longfinger s'acharne autant au combat et tombe au combat, c'est à cause de Solipsis. C'est Solipsis qui l'entraîne dans le combat. Ça, donc c'est encore une raison sentimentale supplémentaire. Mais je pense pas que ce soit la seule, par contre. Bobo, tu voulais dire quelque chose ? Ajouter quelque chose ? Oui, pardon pour la voix. Ouais, moi, voilà, je voulais lui donner une autre raison que
purement sentimental pour que ce soit pas la jolie blonde qui suit son mec. Ouais. Dans la façon où je, où je voyais le, où je vois la résistance dans la chronique que je commence, j'avais séparé d'un côté un pendant de la résistance qui est tenu par des civils, ouais, avec à la tête Solipsis. Ouais. Et l'autre partie, bras armés, tous les militaires, suivis par Finn Longfinger. Et je voulais que, en plus d'une raison sentimentale, Maria se dise, la façon dont Solipsis est en train de guider la résistance est dangereuse. Si je fais pas, enfin, elle est aussi aveuglée par ses sentiments. Ouais. Mais si je fais pas ce que j'ai à faire, elle va tuer la résistance. On va tous tomber, ça sera fini. Je pense qu'il sera gagné. Je pense que déjà dans ce qui existe, elle pense déjà ça. C'est-à-dire que quelque part, Solipsis dirige mal la résistance. Peut-être pas au sens où tu l'entends, mais au sens où elle ne révèle rien de ses véritables intentions, en fait. Je crois qu'il y a quelque chose le mot qui correspond parfaitement à Maria, c'est le mot frustration, quoi. Thomas le soulignait tout à l'heure, mais le fait aussi que Solipsis lui cache constamment des choses et ne lui révèle pas toutes les informations sur les éléments de l'histoire, finalement, et sur le dessin réel de la résistance, parce que Maria pense évidemment qu'elle cache des choses, qu'elle se sert des personnages non joueurs, si j'ose dire, comme de pions, etc. Donc je pense qu'il y a ça, quoi, c'est la frustration, quoi. Je pense que comme les bugs, quand Solipsis dit il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, ouais, elle est comme vous, Maria, exactement. Elle a envie de dire mais ta gueule et dis-moi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que quelque part, Solipsis en devient un peu insupportable. Bobo, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, sur l'autre intérêt qu'on a à faire trahir Maria dans la chronique. Ouais. C'est aussi l'apparition de volonté, enfin pas de volonté personnelle, mais si tu veux, au début dans Renaissance, ouais, on est une grande fratrie, la résistance, on est tous ensemble, on va bolter Miphos. Ouais. Et puis dans Death, il commence à y avoir des intérêts personnels supplémentaires au sein de la résistance, et là les bugs peuvent se dire on n'est pas forcément si unis que ça. Ouais. On peut avoir des dissensions personnelles qui fait qu'on se met en danger nous-mêmes. Je pense que c'est le symbole en fait de ces dissensions naissantes. Ouais, parce que vu qu'en plus au début de Death, les bugs naturellement ont plus d'expérience, ont pris plus de poids dans la résistance, ils peuvent commencer à pas forcément se tirer les plus de pouvoir, quoi, plus de responsabilité. Mais voilà, il y a des choses un peu plus personnelles qui rentrent dans la balance, dans le combat qui est mené. Bah, regarde Nathaniel, hein, au bout d'un moment, il faisait des choix qui étaient vraiment pour sa gueule, quoi. Ouais, non, clairement. Et donc voilà, ça c'était un petit déclencheur aussi que je trouvais intéressant pour la trahison de Maria. Moi, il y a un truc qui me saisit, c'est direct, c'est dans la chronique de Rennes. Dans la table que j'ai menée à Rennes, il n'y a pas eu du tout à aucun moment ce désir de faire de Maria un personnage, on veut dire, concubin d'un des joueurs. Parce qu'on avait la sensation qu'elle était plus âgée, je ne sais pas. Flavie. Parce qu'il y avait déjà une fille à la table. Ouais, c'est vrai, peut-être. Ouais. Non, mais mine de rien, clairement, ça joue. Clairement. Non, parce raison, que le perso concubin, mine de rien, c'était moi pour Cédric. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, ouais. Et c'est juste. Thomas, Pierre. Il avait autre chose. Fin... Ouais, moi je vois dans ma table de Renaissance, ouais, j'ai que des mecs. Et Maria, pareil. Il y en a au moins un ou deux qui kiffent Maria. Qui kiffent. Comment t'interprètes Maria, toi, Pierre, dans ta chronique? Très froide et elle repousse facilement. Un peu à la Scully dans X-Files, on ouais, va dire. Ouais, carrément. C'est pour toi, c'est. Voilà. Puis même, dès qu'ils essaient de lui poser des questions, d'avoir un peu plus de. Mais elle est froide, elle est pas comme Solipsis, c'est-à-dire qu'elle est, elle leur dit pas qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer, mais juste. Ah, elle les renvoie chier. Ouais, voilà. Elle les renvoie chier. Si c'est pas utile pour la mission ou pour la résistance, ouais, elle les renvoie chier. Pour elle, il y a un seul objectif dans sa tête. Et... Quand on voit par exemple dans certaines tables la manière pulpeuse, on va dire, dont elle est jouée, Bobo, tu voulais ajouter quelque chose ? Maria, c'est un symbole de combat quelque part, parce qu'elle est très froide, donc quand tu te dis. En tant que PJ, ouais, je vais la draguer. Ouais. Tu vois, déjà, t'as un petit combat avec le maître pour dire est-ce qu'il va accepter ça. Et puis, tu vois, par exemple, je prends le personnage de Nathaniel, le fait qu'elle soit entichée de Finn Longfinger. Ouais. Mais aussi, il y a un petit côté défi. C'est, si j'arrive à la faire changer d'avis, tu vas se prouver quelque chose. Ouais. Et c'est puis un premier combat, c'est... Parce que... Si j'arrive à lui faire changer d'avis et à faire en sorte que je devienne l'homme dans son cœur, l'autre combat qui est la résistance, enfin, battre Mifo, je peux le faire aussi, tu vois. D'accord. Est-ce que la suite de l'histoire t'a donné raison? Est-ce que t'as réussi à prendre la place de Finn Longfinger dans son cœur? Ouais. Moi, je crois que oui.
Non, franchement, je crois que oui. Mais bon, justement, enfin, c'est, il y a beaucoup de tables maintenant suite à l'histoire donc que je raconte dans Sens Mort de Nathaniel et de Maria qui décident de faire en sorte que Maria puisse avoir une relation avec des boys. À mon avis, ça enrichit vraiment le jeu. Le souci, c'est que ça le déséquilibre aussi ou ça le rend plus incertain et peut-être plus loin de la chronique écrite. Ça peut l'éloigner, c'est-à-dire que les joueurs peuvent plus facilement se retourner dès le départ contre Finlongfinger, la Résistance. On sent que dans la manière dont les tables prennent les parties de sens, la Résistance est déjà critiquée beaucoup plus tôt que chez nous, en fait. J'ai l'impression que la mort de Solipsis ne leur fera rien, en fait. Ils diront, bon, bah, bon débarras, cette pute-là, elle nous a rien dit, casse-toi, quoi. Je pense que tu as ce sentiment parce que tu as fait ce travail de réécriture sur Renaissance et mort, et puis aussi que, enfin, on a joué longtemps à Renaissance avant de changer de chapitre. Ouais, ouais. Ouais, mais j'ai vraiment peur. Enfin, ouais, longtemps. Ma crainte, c'est que Maria, finalement, devienne la mort de Maria soit plus triste en fait que la mort de Solipsis. Bon, on remarque, on s'en fout. C'était déjà le cas pour certains d'entre nous à la table. Oui, oui, d'accord. Non, mais à la mort de Solipsis, c'est vraiment le perso de Ced, le perso de Thomas et Agnes, moi, Marius, qui ont et Lina, qui ont vraiment marqué le coup parce que Flusius, à la limite. Il s'en foutait un peu, c'était pas un être humain et il avait d'autres chats à fouetter. Claire. Ghost, j'en parle même pas. Non, pas du tout. Non, faut pas en parler d'ailleurs. C'est déjà le cas pour pas mal de tables. Il y en a certains qui aimaient bien Solipsis et d'autres pas. C'est tout. Elle incarnait aussi un truc, une sorte de, comment dire, d'autorité à détruire quelque part aussi pour certains. Donc dès que t'aimes pas l'autorité, t'as tendance à détester Solipsis, quoi. Bon, après, c'est pas un podcast sur Solipsis non plus, mais... Ouais, puis il faut dire ce qui est, hein, comme c'est le personnage préféré de Rome, si tu donnes pas l'impression de fondre complètement en larmes à la mort de Solipsis, c'est la merde, quoi. Mais non, c'est pas tu mon nous avais reproché de pas avoir pleuré, non, d'ailleurs. Non. D'abord, contradiction, parce que là, je dis contradiction, parce que dans un précédent podcast, là, tu dis que t'as pleuré à la mort de Solipsis. Mais j'ai pleuré à la mort de Solipsis. J'ai pleuré. La la la. Ah non, mais bon, voilà, c'est moi, je sais pas. En plus, c'est faux de dire que c'est mon personnage préféré. Oui, je sais. Moi, c'est un tandem. C'est pas mi-fausse, mon personnage préféré. C'est un tandem. C'est pas mi-fausse, ton personnage c'est préféré. C'est le duel entre les deux qui m'intéresse. Ouais, c'est pas le. Je m'en fous. Bon. Par contre, juste pour revenir rapidement sur Maria Gridway et sur les raisons qui la poussent à quitter la Résistance. Ouais. Je pense que moi, la victoire des bugs sur la Terre, au contraire, pourrait être une raison justement pour Maria Gridway de partir. Pourquoi ? Parce que Maria Gridway est quelqu'un d'intelligent. Et elle sait que Miphos Kadria, lui, est particulièrement intelligent. Et que s'il laisse la Terre aux bugs, c'est que vraiment, justement, il l'a donnée, en fait, la Terre. Et qu'il y a une autre raison. Et que Maria pourrait partir dans l'autre camp, en fait, pour minimiser les dégâts et peut-être, justement, sauver les meubles. C'est-à-dire, j'adhère au camp ennemi. Et je vais pouvoir peut-être sauver quelques personnes, pourquoi pas le bug qu'elle préfère, enfin dont elle est amoureuse, ou des gens qu'elle aime particulièrement. Bref, on sauve les meubles. Ouais. Mais puis tant pis pour le reste, parce que de toute façon, Maria peut se rendre compte que non, c'est impossible de gagner face à Miphos. S'il nous a laissé la Terre, c'est qu'il y a une raison. Moi, il y a un truc, en tout cas, auquel je tiens un petit peu, c'est le fait que les raisons de Maria restent obscures. C'est-à-dire que les joueurs puissent se poser des tas de questions. Autant pour le maître de jeu, elles peuvent être assez claires et les indices qu'il distribuera seront assez clairs. Autant pour les bugs, la disparition de mariage... D'ailleurs, dans le livre, je ne donne pas beaucoup d'indices, finalement. Mis à part cette sentimentalité, on ne sait pas trop ce qui s'est passé quand elle était avec l'aiguille. Comme ça, justement, comme on disait, les personnages secondaires sont là justement pour être un petit peu plus malléables. Ouais. Et du coup, le maître de jeu peut plus triper parce qu'il n'a pas le côté dirigiste de doit trahir pour telle raison. Non, justement, tu peux te lâcher un petit peu. Alors. Et même, pourquoi pas un bug à l'origine du départ de Maria Gridway, le départ de la trahison. Mais carrément. Mais je crois que c'était un peu le cas à votre table, non ? Non ? Ou peut-être à celle de Saint-Malo, plutôt. Oh, je ne sais pas. Je me pose la question. Bon, bref. Un troisième personnage qui n'existe plus dans les livres, qui existait dans la première base, et dont on voudrait toucher deux mots, en tout cas, Cédric, je sais qu'il tient à cœur, c'est le général Mordins, qui a disparu. Le traître. Alors, c'était quoi ce personnage, en fait, avant que la base soit refondue et...
Alors, ce qui s'est passé pour le général Mordins, c'est qu'en fait, c'était le, on va dire, l'alter ego démoniaque de Gladius Ward. Complètement. Mordins, c'est celui que personne n'aimait, qui n'avait absolument pas le comportement paternaliste, sympathique et tout, voilà, de Gladius Ward. C'était calcul alors, froid, tout pour l'utile, limite assez proche de Néméo finalement. Ouais, assez proche de Néméo, calculateur, puis le mec il envoie des bugs au casse-pipe, et puis limite on n'en a rien à carrer, ou du moins il ne faisait rien apparaître, quoi. Il ne laissait rien paraître, pardon, désolé, un peu fatigué. Non, c'est bon. Donc, voilà, non, Mordins en plus, c'est un connard, c'est un mec qui a trahi la résistance et qui s'est fait démasquer, heureusement, au dernier moment, quoi. Ouais, alors donc en fait, et c'est, en quoi est-ce que c'est un traître ? Parce qu'il couvre les recherches de Néméo ? Alors, je crois qu'il donne des informations au Cadrian Rivers. C'est comme ça qu'il se fait griller. Et c'est à cause de Mordins que Gladius Ward meurt à Aqua City. Ah oui, c'est lui qui donne les informations. Oui, voilà, c'est ça. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, nous on découvre en fait que si Cranistan et ses copains là ont réussi à pénétrer Aqua City aussi facilement. Enfin, doivent pénétrer Aqua City si facilement. Ouais. Doivent pénétrer Aqua City si facilement. Et du coup, tuer au moins quelqu'un, faire un sacrifice. C'est à cause de Mordins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il donne des informations qu'Adrien Rivers, donc Amy Fosse, Favi. Et quelles étaient ses motivations pour trahir la résistance ? La haine qu'il ressent pour Gladius Ward. L'injustice, en fait. Parce que je pense qu'il se voyait bien, Mordins, en tout cas, tel qu'il était développé, se voyait bien successeur de Gladius à la mort de Finlongfinger. Il sera refusé. Ouais. Enfin, et du coup, on découvrait qu'il trahissait quand ? Après la mort de Gladius ou avant ? Après. Il était sanctionné, donc il prend la place de Gladius, et là vous arrivez et. Alors en fait le délire c'est que déjà il y a un truc, c'est Mordins n'est pas du tout d'accord sur la façon dont Gladius dirige la résistance. Ouais, tout à fait. Ça c'est clair et net. Ils sont totalement désaccord. Il y en a un qui est pragmatique et froid et l'autre qui est paternaliste et humain. Et puis il y a autre chose, c'est que Mordins encore une fois se voit successeur. N'oublions plus pas vieux, que Gladius Ward, il a plus d'expérience, mais surtout Gladius Ward est le fils adoptif de Finlongfinger. Et donc il n'aime pas trop l'idée que les pouvoirs de papa se retrouvent dans les mains du fiston. Il n'aime pas l'idée que, en fait, il juge que Finlongfinger a donné les pouvoirs à son fils par filiation et pas par raison, en fait. Et ça, Mordins, ça l'insupporte, quoi. Il déteste ça, il déteste cette idée-là. Donc déjà, il part mal. Et puis il est vieux, en fait. C'est un vieillard qui est un peu sénile. Un peu aigri, quoi. Un peu aigri, quoi. Puis la raison pour laquelle il trahit la résistance, c'est que clairement, il se voit calife à la place du calife. Ouais, voilà, c'est ça. Mifos a dû lui dire, écoute, je vais te laisser ta petite armée, là, puis en fait, tu vas me donner le reste, quoi. Je te laisse tes jouets et je prends la terre. On peut même imaginer un Mordins manipulé par une tierce personne, dont le nom est inconnu. Complètement. Ça peut être un graveur qui vient le torturer. Ça peut être un aiguilleur, exactement. Je voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais en tout cas, ce personnage a disparu. Mais bon, voilà, c'est intéressant de le réintroduire dans les podcasts. Ce qui s'est passé pour lui à la fin, c'est qu'il y a eu un conseil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ducorion, en fait, a retrouvé les traces de la traîtrise. Donc, elle est remontée à Mordins. Nous, de notre côté, on avait fait notre petite enquête. On avait démasqué Mordins également. Ouais, c'est ça. Donc, résultat des courses, Mordins, on fait un conseil, finit en prison. Finlongfinger va le voir dans sa cellule. Puis, quelques minutes plus tard, il s'est tranché les veines, Mordins. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, on suppose que c'est Finlongfinger qui le tue, quoi. Voilà. Non, il a juste accepté son sort. Ouais. Donc, voilà, ça c'était un personnage un peu oublié. Michel Cetra, le financier de la résistance. Qui en a fait quelqu'un, qui a un personnage assez important, Thomas. Alors Thomas, quand on a cité son nom en préparation de ce podcast. Oui, je me souviens, je crois que je t'ai demandé, c'est qui ? Voilà. Et là, on m'a dit, c'est le financier. Je fais, ah bon, moi je pensais que les thunes, ils étaient donnés à Papa Password. Donc, j'ai jamais dû le voir. Qui débarque dans la cheminée de la résistance. Je crois que ce gars-là, je l'imagine avec, dans une petite pièce avec un PC et à juste faire des comptes. Eh ben, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui se balade dans les couloirs et qui répand son rire à droite à gauche dans la résistance. C'est un fou. Pierre hein. C'est complètement Pierre. Non, c'est pas Pierre. Pas Pierre. De quoi on parle de moi, non Pierre. Non, c'est un mec qui se balade dans les couloirs de la résistance en répandant un petit peu son rire et sa bonne humeur. C'est un fou, c'est un vrai fou. C'est-à-dire qu'il est arrivé, et en fait, ses parents tenaient une fabrique d'armes et d'équipements pour l'Empire. Il a fait une fortune colossale, donc il ne savait absolument pas quoi faire. Il se faisait chier comme un rat mort sur ses aînés. Il a donc décidé de débarquer sur Terre à la Nouvelle-York, à l'époque,
rencontré Filonfinger et il a dit bah voilà, ma fortune est à vous, résistant, je supporte pas Miphos, je supporte pas mon métier, je supporte pas les armes que mon père a construites, je veux tout détruire, mais j'ai une condition, c'est je vous donne toute ma fortune qui est infinie, hein, potentiellement infinie, il a des, tout le monde lui doit de l'argent. Et d'ailleurs, ouais, enfin, bref, j'ai plein de petites anecdotes, mais bref, tout le monde lui doit de l'argent, et donc il dit à Filonfinger, il fait ce marché, il dit écoute, fais de moi un héros, et en échange, je te file toutes mes thunes. Voilà, et donc c'est juste un cinglé, quoi. En gros, il voulait jouer à la guerre, quoi. Ouais, je sais pas, oui, non, je crois pas, je pense qu'il veut mettre un terme à la guerre. Bobo, tu voulais dire quelque chose? C'est juste quelqu'un qui veut s'acheter un titre. Voilà, un vrai ça. Titre. Entièrement un titre, d'accord. Et puis qu'on se souvienne de moi dans l'histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais un vrai, je pense qu'il y a l'idée aussi qu'il veut s'acheter un vrai titre, au sens où lui il est déjà noble a priori. Oui, mais non, moi je l'aurais bien vu, enfin moi quand j'imaginais Cetra, je l'imaginais aussi draguant pas mal, profitant de son, du fait qu'il était un héros, ouais. Et allant dans les bas-fonds du pôle sud et distribuant plein de pognon et faisant deux trois petites missions faciles et revenant en disant oui c'était trop dur mais c'était incroyable, avec pas mal de gens qui l'attendent à la sortie du la sortie des vaisseaux en criant ouais bravo monsieur Cetra, enfin tu vois, moi un pour perso moi... presque manga quoi. Ouais oui c'est voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il hérite un petit peu de l'ancienneté de sens à ce niveau-là, et c'est vrai qu'il fait très 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 manga ce personnage. Bah, je pense qu'il faut le jouer comme tu le disais, assez rigolard, qui déambule dans les couloirs. Moi je joue quasiment à tous les scénars Michel Cetra, bah moi aussi quoi. Il le croise parce que le mec clairement il se fait chier, enfin le mec il n'a rien à faire à part siéger au conseil, il fout que dalle, ouais. Et du coup tu peux ouais je finis, finis bon, bon, pour 2 minutes. Ce que tu peux faire justement pour donner un petit peu d'épaisseur au personnage, c'est justement le faire parler 5 minutes avec les joueurs de temps en temps, puis à un moment, alors parce que les joueurs sont très gourmands, au bout d'un moment ils ont besoin de pognon, des trucs comme ça. Ah Michel, il y a toujours deux, trois pièces dans sa popoche, donc il peut toujours prêter. Quoi. Puis ouais. Après, bah, tu peux faire une petite histoire, des petites couilles, des petits trucs heureux, mais voilà, quoi, tu peux jouer des trucs. Mmh. Bobo, tu voulais dire ouais, quand tu lisais, tu le voyais comme un fou, ouais. Je pense qu'il faut nuancer, pas le mec. Hein, ah non, il n'est pas le... Ouais, non, mais... Moi, ouais, je le vois bien, c'est un petit peu comme le professeur richissime là dans Jurassic Park. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Malade pour montrer. Ouais, voilà, exactement. J'ai fait acheter ça, machin, exactement. J'ai dépensé ouais. Sans compter. C'est, ouais, c'est un mec qui est à la retraite et tout ce qui, il se nourrit de la gloriole qu'il y a dans les yeux des gens qui le regardent. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est trop ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais à la base, c'était un personnage qui est un peu créé, venu nulle part. C'est à cause des armures. En fait, au début, de tout début de sens, l'ancien système, les armures s'achetaient auprès d'un gars. Et quelqu'un qui se faisait plein de pognon. Et ce mec, c'était Cetra, quoi. Et pour la petite anecdote, pour l'origine de son nom, regardez les bus de Rennes. À l'avant, vous verrez l'origine du nom de Michel Cetra. Et c'est déjà sa famille. Bon, bref. Donc, alors, Mordin, c'est fait. Cetra, c'est fait. Il nous reste You Like, Cédric. T'as vu qu'on l'ajoute à la liste. Justifie-toi. Alors, ouais, j'ai rappelé qu'il existait. Pourquoi? Parce qu'en fait, You Like, c'est un mec qui n'existe pas dans la base. Il existe dans les bouquins. Thomas. C'est qui ? Ah, d'accord. C'est qui, Yulek ? Donc, c'est un mec non. Qui n'existe plus dans la base. Mais c'est un mec que nous, on a rencontré à New York. Tout simplement parce qu'il y a une résistance à New York. Enfin, nous, tel qu'on l'avait joué, il y avait une résistance à New York. Ouais. Et c'est Yulek qui chaperonnait le tout. Quoi. Et Yulek, c'est, comment dire, c'est un personnage qui est sympa à voir. Parce qu'en fait, le mec... Alors, bon, pour nous, la première version, c'était un bug, Yulek. Exact. Hein. Mais ce qui était vraiment intéressant... Un peu un pendant d'Anastas, le personnage de Pierre. Un enfant sauvage, ouais. Un peu, de New York, en ouais, fait. C'est ça, hein, le mec, il s'en est... Pas sauvage au sens d'Anastas. Non. Parce qu'Anastas, c'est vraiment... il a été abandonné, il a dû se débrouiller tout seul, la survie, etc. Ah, c'était ça. Alors que Yulek, c'est plutôt un bug qu'on a oublié sur place et qui a été récupéré par une colonne de résistants et qui a été élevé, en fait, à New York. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi, Yulek, je l'ai intégré directement à l'histoire de mes persos, parce qu'il y en a un qui voulait... voilà, New York et tout, ça le faisait triper. Ouais. Donc je lui ai fait, bah, ok, t'as passé toute une partie de ton enfance de 0 à 5 ans. Bah, tu l'as passé à New York, mais avec t'as des vagues souvenirs autour d'un compagnon de jeu et tout. Bon, ouais, c'est Yulek. Et ce qui était intéressant, ce personnage-là, c'est que contrairement aux bugs qui, eux, bah, pètent clairement dans la soie au pôle sud, Yulek, c'est un mec qui, avec 2-3 bouts de ferraille, va te constituer une armée de fortune, quoi, mais qui va tenir la route parce que le mec, il tient quand même New York. Quoi. Donc pour toi, c'est un récupérateur Oriok. Je suis navré. Ma vie.
Bon, voilà, donc les magiciens ont compris. C'est le ferrailleur de la résistance. Voilà, quoi. C'est le ferrailleur de la résistance. Il y a Michel Cetra qui en vend ses armures et puis il y a eu Ulay qui. Il te vend du fer. Quoi. T'en fais de la ferraille. En gros, Ulay, c'est le futur administrateur de la Nouvelle York dans ta chronique. Ouais, clairement. C'est ça. Ouais. Si il survit, hein, mais sinon, c'est ça. Ta vie. Une petite blague sur Magic, serait, peut-être. Non, pas là, pas, j'en ai pas là. Je pense qu'il sera intéressant. Bon, malheureusement, nous, j'ai pas fait assez durer Renaissance pour pouvoir aller plus loin. Mais de mettre, en fait, un entre guillemets, administrateur de résistance à Paris et un pour Berlin, ouais. Une petite résistance à chaque fois, et que ce soit ça pourrait être des bons personnages secondaires avec des restes de culture qui restent, notamment berlinoises ou des restes de culture parisienne pour ces résistances-là. D'accord. Avec les personnages secondaires qui pourraient les diriger. Et ça pourrait faire du coup des petits seconds scénars rigolos. Quoi. D'accord. Ouais, pourquoi pas. C'est une idée. Autre personnage secondaire dont on ne parle pas des masses dans la base, mais quand même, qui a son petit rôle, le général Ganymède à Aqua City. Administrateur d'Aquacity, vieillard, donc d'origine indienne, pas indo-américaine, mais indienne. Ouais. Pierre, je te vois foncer sur ça. Oui, si tu le dis. Ouais. Ouais. Si, c'est important, parce qu'en fait, c'est une colonne de résistants qui vient d'Inde, et c'est les inventeurs de la varia, qui est la matière, enfin, peut-être pas les inventeurs de la varia. Mais voilà, enfin, en tout cas... Mais qu'on trouvait le moyen, en tout cas. Voilà. Voilà. Et donc, ce sont les bâtisseurs d'Aquacity. Donc, lui, c'est normal qu'il soit à la tête de ce lieu. Comment est-ce que vous l'interprétez, général? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Tu as l'air de ne pas être d'accord? Ah non, si, non, je suis entièrement d'accord. Donc, comment vous l'interprétez, ce personnage? Pour moi, c'est un peu un Lester en avance, quoi. Personne n'a eu l'occasion d'interpréter. Si, moi je l'ai interprété au cours de ma campagne et je ne savais pas que c'était un vieux. C'est qui? Ganymède, je sais qui c'est. C'était un homme d'à peu près 40 ans, super ouais. Sympathique, mais quand même un peu militaire. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un vieillard et qui a l'air d'être plutôt bercé dans les sciences que dans l'art de se battre. Non, vraiment, je sais pas. Franchement, j'attendais de vous que vous ayez des super idées pour Ganymède. Je sais que c'est un personnage introducteur. C'est le personnage qui présente la ville d'Aqua City et qui donne en fait l'image de ah tiens, il y a d'autres résistances. La Nouvelle-York, c'était pas le seul bastion. Il y avait aussi des résistants indiens. Ça c'est intéressant. Surtout, ça pose la question des reliquats culturels dans le pôle sud. Ouais. Moi, par contre, je les joue dans mes chroniques parce D'accord. que je trouve ça hyper intéressant. Où je vois plus ça comme une sorte de grosse New York avec plein de, pas de ghetto, tu vois, mais plein de cultures qui se mélangent. Ouais. Et du coup, là, ça pourrait donner un scénar rigolo avec Ganymède qui dit « Oh, on a retrouvé une statue de Bouddha ou un truc hindou qu'on peut aller rechercher. On a besoin des bugs pour ça, pour faire un pèlerinage ou quelque chose comme ça. » C'est clairement un truc en rapport avec la culture indienne, quoi. Pourquoi pas? Ouais, non, c'est... Bon, après... Alors, moi, je sais que c'est un personnage que j'ai pas ultra de beaucoup découvrir parce qu'en fait, Aqua City, c'est le scénar juste avant la grosse baston. Quoi. Ouais, non, et donc, à la fin du scénar, ouais. Tu te dis, ça va péter. Ouais. Bah, moi, je le vois plus comme un vieux, un peu comme dans Les Simpsons, tu vas gagner. Tu fais, oh, regardez, un vieux qui sait. Quoi. un mec qui a vraiment une impression, une aura de sagesse, l'impression de savoir beaucoup de choses, qui saura par exemple énormément de choses sur le pôle sud, comment ça se gère, ouais. Sur justement comme disait Fly aussi sur les autres bastions quoi, sur comment ça se passe à la Nouvelle York, ouais. Comment ça se passe Paris, Berlin et tout. Le mec qui sait énormément de choses, qui a un savoir à la fois et scientifique et culturel. Ouais. Donc voilà, mais ouais, un mec qui sait quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Ganymède. Ça n'a pas l'air de vous inspirer, je vois Pierre qui s'endort là. Bah non, mais moi Ganymède, j'ai fait jouer une fois. Pour moi, il était dans sa bulle, c'est ça, Aqua City, dans sa bulle. Bah, c'est pas faux. Ouais. Et puis il est un peu dans le passé. Quoi. Ouais, et puis dès qu'il a vu les bugs, parce que c'était la première fois qu'il les rencontrait, et les bugs, vice versa, c'était de la curiosité. Ouais, plus simple. Curiosité ouais. Sur leurs conditions, sur. Sur leur lieu, sur leur vie au pôle sud, sur leurs différentes missions, beaucoup de questions. Même ça faisait chier beaucoup mes joueurs, mais ouais. c'était comme ça. C'est quand même un membre du conseil, Ganymède. Comme ça, ça me permettait aussi à mes joueurs de revenir un peu sur ce qu'ils avaient fait et puis voir ce qu'ils avaient quand même tout le chemin qu'ils avaient pu faire.
Bon. Puis bon, voilà. C'est, ouais, sinon, c'est quand ça, même le mec qui gère Aqua City, quoi. Donc c'est quand même un personnage important. On a fait un peu tout le monde. Même si on s'était promis de ne pas faire les seconds couteaux, on va dire, méchants, j'ai quand même envie de... Puisqu'on a quasiment passé en revue tout le conseil, sauf un qu'on garde pour la fin, Crise à Orion, sur lequel on viendra. Mais j'ai quand même envie de parler de Viggo Nemeo, finalement. Ouais. Parce que, voilà, ce serait dommage. Ouais. Hein, Thomas ? Un bon perso. Qu'est-ce qui te plaît chez Viggo Nemeo ? Bah, c'est le bon méchant, quoi. Sauf ce que j'aime bien dans Nemeo, c'est qu'il a un autre sens des réalités. Lui, en fait, la résistance, c'est juste un moyen de se faire, en fait, de créer son projet. Ouais. Et dès qu'il voit que la résistance lui a peur plus assez de pognon, bah, il passe de l'autre côté, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est le premier vrai méchant du début. Ouais, je le trouverais vraiment bien, quoi. Personnage assez froid. En plus, si je me souviens bien, chez lui, ça pue encore plus que chez nous, quoi. Mmh, ouais, il s'occupe pas trop des gens, il s'occupe vraiment que de son projet. Ouais, rien n'est carré. Ouais, c'est un égoïste de première. Mais Pierre, tu disais, tu avais l'air de... Ouais, non, j'étais d'accord. Ouais. Ouais, c'est un enfoiré, mais c'est bon. C'est bon. Ouais. Nemeo, c'est la figure même de l'individualisme. C'est-à-dire, c'est le mec, il va être peinard dans son coin, comme disait Thomas, hein, c'est ça. Tant qu'il a du pognon pour faire ses recherches, ses petits bidouillages, et puis quitte à manipuler l'humain, hein, il en a rien à carrer, quoi. C'est, s'il doit faire des expériences, moi j'ai joué comme ça. Il a des expériences génétiques et tout, des trucs qui sont absolument dégueulasses. Il a un disciple, alors c'est un vrai connard, c'est un mec qui fait la même chose que lui, qui allie l'électronique et le vivant pour donner des espèces de robots complètement dégueulasses. Enfin, c'est le mec, il joue clairement avec la vie et n'en a rien à carrer des conséquences. Ouais. Viggo Nemeo, c'est ça. Moi, un truc qui me plaît bien chez Nemeo aussi, c'est son côté acceptation de la destinée, en fait. C'est-à-dire que lui, toutes ces causes métaphysiques de si on est libre ou pas, il n'en a rien à branler, quoi. Il dit, je m'en fous d'être libre. Si mon destin, c'est de devenir un génie, j'en ai rien à foutre. Et quelque part, c'est marrant que ce personnage n'ait pas plus d'écho sur les joueurs. Je constate qu'il n'y a pas beaucoup de retours sur Nemeo. Bon, c'est pareil, je veux dire. Alors que pourtant, il a une réflexion qui est saine. Mais tu le vois pendant un scénar, ouais, c'est il meurt. Moi, je sais que la seule fois où je l'ai fait jouer, il est mort suite à une explosion, quoi. C'est même pas un bug qui le tue. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est... Ouais, je lui ai collé un coup d'ice beam dans la tête. J'ai visé son bras pour le sauver parce qu'il y avait le virus qui remontait le long de son bras. J'ai fait un échec critique, je lui ai gelé la tête. Donc là, je veux dire, voilà, en fait, le problème... L'anecdote. Pour qu'on s'attache à un personnage, il faut un petit peu de temps. Donc là, c'est tu le vois au début d'un scénar. Peut-être là encore que pour l'introduction, ça mériterait de faire un petit scénar supplémentaire où on entend un petit peu parler. C'est vrai que ce côté aussi, je m'en fous de la destinée. J'en ai rien à foutre d'être libre, entre guillemets, métaphysiquement. Moi, ce que je veux, c'est juste vivre ma vie, développer mes projets. Je trouve quand même que c'est un personnage intéressant. Un petit peu, pour l'instant, en tout cas, je trouve que j'ai pas vraiment vu de table où il était... beaucoup mis en valeur. Je sais que je sais pas si voilà. Ouais, en tout cas c'est pas trop mon cas, c'est moi non méchant plus. Moi dans mes tables clairement j'essaye de le rendre assez insupportable, remettre en doute un peu les choix de la résistance assez ouvertement et ça reste qu'à la fin il est mort, quoi. Ouais. je renvoie au podcast où je parlais du scénario là de avec Marc. Oui, voilà. Où, moi je trouvais que ça faisait une bonne intro parce que c'est son disciple clairement qui se pointait et qui foutait le bordel avec Marie Gridway. À la fin, donc voilà, ils apprennent que c'est en fait Nemeo. Toi, t'as gardé des traces, c'est parce que c'est son disciple. C'est son élève. C'est un professeur. C'est son élève. Oh bon. Merde. Hein. Cette phrase est sortie de son contexte. et du coup, à la fin, ils apprennent que bah ouais, en fait, c'était l'assistant, on va dire l'assistant de Viggo Nemeo. Ah bah ouais, tiens, prochaine mission, qu'est-ce qu'on fait? On va au pôle Nord voir Viggo Nemeo. Chouette. Ouais, non, c'est voilà quoi. C'est à mon avis un personnage dont il fallait quand même. Ouais, même si c'est un méchant. Et surtout s'interroger sur les raisons de pourquoi il a encore son siège, ce mec-là, au conseil. Bah justement, en fait, avance un petit peu grâce à Mordins. Maintenant, dans cette base. Ouais, bah justement, trouvons des raisons, quoi. Le MJ peut trouver des raisons. Moi, à mon avis, la possibilité aussi d'utiliser à un moment donné une arme de destruction massive, même si personne n'en parle, peut intéresser. Il représente quand même la population du pôle Nord. Et il représente la population du pôle Nord. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une colonne de résistants qui est partie au pôle Nord en le suivant. Donc, ouais, tout à fait. Voilà, quoi. Parce que lui, il avait les moyens déjà à l'époque, il dirigeait des laboratoires à New York, il avait déjà ses propres. Donc, c'est
Il avait... C'est bizarre d'ailleurs ce choix de partir vers les. Enfin, bon, c'est parce qu'il a un. Puis c'est. Faut dire bastion là-bas, mais bon. Viggo Nemeo, c'est quand même. Alors c'est la figure aussi du génie incompris. Hein. Enfin, c'est ça dans sa tête, quoi. Ouais. Et le mec, enfin, il est aussi utile, quoi. Il peut créer des armes bactériologiques, des trucs un peu sales, mais qui peuvent aider la résistance. Donc voilà, quoi. C'est jamais, hein. Il a son utilité, le mec. Des fois que. Et enfin, le dernier. Le dernier, mais enfin moi j'hésite même à le classer parmi les seconds couteaux, mais bon, Chrysor Orion, administrateur de Sydney, qui a une destinée complètement folle dans le sens mort. Pierre, tu vois. Bah au début c'est un simple personnage secondaire, en Renaissance. Claire. C'est un membre du conseil qu'on voit jamais. Conseil, puis voilà. On sait que c'est un agent double, vaguement, qui travaille. Pour la chambre des nobles et en même temps pour la résistance. Pour moi, c'était un gros enfant gâté quand on était sur Renaissance. L'enfant gâté qui arrive et qui dit « Ah ben moi, je suis noble, je viens siéger ici. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis, j'ai des trucs dans mon sac et je vais vous déclarer des choses qui vont vous étonner. » Moi, je n'aimais pas du tout son personnage. Au début, Chrysor Orion, pas du tout. Ensuite, mieux. Quand on découvre sa destinée, qu'on découvre la personne derrière le noble, ok. Mais au début, j'aimais pas du tout ce personnage. Cédric, c'était à cause de la scène du conseil, tu disais, quoi. Ouais, je disais, c'est à cause de la scène du conseil, au moment où on démasque Mordines, parce qu'en fait, Orion, avant de démasquer Mordines, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Michel Cetra, il dit, ah, ça pourrait être toi le traître, parce que t'es un gros con, parce que t'as ça comme défaut, et puis il fait la leçon à tout le monde. Bah, il fait la leçon à tout le monde, alors que bon, pour l'instant, ça, nous, ce qu'on en sait, c'est que c'est un blanc-bec. Encore une fois, je tiens à préciser pour nos auditeurs, c'est dans votre version à vous, où Chrysor fait la leçon à tout le monde. Maintenant, je pense que Thomas et Bobo ont peut-être plus de choses à dire, puisqu'ils ont passé du temps avec lui, même dans Rebirth. Absolument. Chrysor, dans Renaissance, Thomas, Bobo. Alors, je raconte juste pour nos auditeurs l'anecdote. Comme à Rennes, vous aviez beaucoup joué au Pôle Sud, j'ai décidé à Saint-Malo d'essayer d'orienter ma campagne plus vers un autre lieu qui était Sydney, la ville de Sydney. Du coup, là, si vous étiez beaucoup, Cédric et Flavie, rapprochés de Gladius Sword et Pierre, par contre, vous, Bobo et Thomas, et Guy et Dédé, vous êtes beaucoup plus rapprochés de Chrysor. Voilà, pour la petite Chrysor. Chrysor, pour moi, c'est une sorte de résistant frustré. Ouais. Il est coincé par sa position d'administrateur de Sydney et de noble. Il a beaucoup de contacts avec la Lune et Mars. Ouais. Pour moi, je le vois comme un personnage qui voudrait rejoindre la résistance. Mais il se dit, si au grand jour, je me présente comme tel, je coupe la porte à la résistance. Ça va les empêcher de gagner la Lune et d'aller la libérer. Donc, je suis obligé de garder ce statu quo vis-à-vis de l'Empire, de se dire, bon, bah, je vais faire un peu l'agent double, parce que si je me présente comme un résistant, c'est foutu, je les bloque aux portes de la Lune. Sans compter le fait qu'en plus, il protège Sydney. Quoi. Si Orion se déclare comme résistant, Sydney va sauter et tous les gens avec. Quoi. Donc il protège aussi Sydney. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a ce côté aussi où il y a tout un... Alors, je ne sais pas si c'est dans la nouvelle base, je ne crois pas, mais tout un espèce de... En tout cas, c'était dans l'ancienne, il y avait une description de Sydney comme un espèce de gigantesque théâtre. C'était en référence au fameux théâtre de Sydney, mais où, en fait, les rôles changent dans cette espèce de tube qui creusait dans la mer, en fait. Les rôles changent au fur et à mesure que les inquisiteurs de Miphos débarquent dans la cité, que les gens font de la simulation, en fait, pour faire croire à Miphos que c'est une parfaite ville impériale. Et en fait, en sous-main, ils distribuent des rations, ils cachent par exemple leur nombre, la population. Par exemple, il y a très peu d'habitants à Sydney et ils se font passer pour une ville gigantesque de façon à nourrir en fait les gens qui sont sous l'eau. Donc il y a tout un jeu comme ça de cache-cache en fait avec Miphos. Si vous avez l'occasion de préparer des scénars pour Sydney, moi je trouve qu'il y a matière à faire. Ça, c'est une super ville. Il y a matière à créer des bons contextes de scénario, justement, dans ces parties de cache-cache et tout ça. Quoi. Mais bon, à mon avis, Chrysor sur la Terre, c'est clairement pas le Chrysor sur la Lune. Quoi. Là, sur la Lune, il va se révéler. Complètement différent. Bon, voilà, là, autant il a ce côté sur la Terre un peu dominateur, un peu chiant, genre, comme disait Flavie tout à l'heure, donneur de leçons. Autant sur la Lune, je trouve qu'il a plus ce côté de moteur. En fait, il engage à chaque fois les scénars, c'est lui qui les lance. Il est là, bah ouais, moi j'ai des infos là-dessus, etc. Ce qui met en avant en fait le côté plus politique, peut-être aussi de Sens Mort, et où là il a un rôle à jouer. Chrysor meurt dans la version de Sens Mort qui a été publiée. Est-ce que Chrysor peut survivre? Alors là, Thomas.
Je crois que nous, il était vivant. Eh oui. Ah ouais. Il a survécu jusqu'au bout, en fait, avec vous. À aucun moment. À tel d'ailleurs, point... ça a apporté ouais. une problématique oh là 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 là. Énorme. On peut en parler, ça, c'est une super anecdote. Ouais. Ah non, faut pas trop en parler. Bah oui, si, c'est bon. Toutes les informations sur Crésor sont laissées dans le toute cette histoire avec la métallite, le fait qu'ils. Alors moi, je parlais pas de ça. Ah, tu pensais pas à ça, Non, moi, je pensais à une révélation qu'on a eue un peu plus tard qui nous a fait. Et si c'était ça? Ah oui, oui. Non, ah bien oui, sûr, mais c'est à ça que je pensais. C'est à ça que je pensais. Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment dire pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu qui peut permettre? Bon, voilà. Si on sait que tous les deux sont, comme il faut, c'est Crésor, donc son frère. On sait, sont tous les deux construits en métallite et à un moment donné on s'est dit Crysor en fait c'est Mipho. Ça nous a fait quelques nœuds à la tête. Ouais, moi sur le coup en fait quand vous avez fait cette proposition là en tant que MJ, je m'y attendais pas du tout à ce lien et je me suis dit putain ce serait énorme. Il y a eu une espèce de blanc de 2 minutes, un flottement dans l'air. Genre, putain, ce mec, c'est Mipho. On s'est tous regardés, genre, on réfléchit, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça peut marcher. Puis, moi, je n'étais pas convaincu au final, ça ne pouvait pas marcher. Mais on aurait bien voulu, Un petit peu travailler, ça pourrait. Franchement, ça pourrait. Ah, non. Non, je ne vois pas, ce que. C'est un gros scénar de fausse piste, mais. Non, je ne vois pas. Pour moi, Crysor, c'est vraiment Crysor, il n'y a pas à chier. Mipho et Crysor sont vraiment deux entités très différentes. Puis je vois pas ce que Mipho se foutrait en administrateur de Sydney, sauf peut-être l'idée de récupérer la Terre Neuve. Bonne couverture. Ouais. Oh non. Ou d'avoir toujours un œil sur la résistance. Oh non, il a de pas diriger les bugs pour essayer d'en créer. Moi, pour essayer de créer ses enfants. Mais si, il y a des idées vraiment. Carrément, on peut le faire. Je pense que c'est pas mal que. Moi personnellement, je pense que c'est quand même pas mal que Crysor meure à la fin de Death. Pour toi, qu'est-ce que ça apporte? Pour moi, la en mort fait, du personnage bah, la mort de. En fait, c'est la figure politique de Sens, clairement. Dans Sens, c'est la figure politique vraiment, quoi. Il n'y a pas de métaphysique, il y a de truc, il est que politique, ce personnage, quoi. Et la mort de ce personnage, c'est ça y est, la voie de la politique, ça a échoué. C'est fini. On n'a plus notre voix au Conseil. On va à la guerre, comme dirait Thomas, quoi. C'est-à-dire que là, la voie de la politique s'éteint avec Crysor. On dit aussi dans la base, c'est dit, c'est le premier des résistants qui meurt. C'est lui qui a fondé la résistance indirectement, parce que c'est le premier à vraiment se battre contre son frère. Et pour moi, le voir mourir, c'est vraiment pour la fin de mort, c'est le coup final, quoi. On va perdre Solipsis, on va perdre Crysor. C'est fini, quoi. On n'a plus de diplomatie. Maintenant, c'est la vie ou la mort, quoi. On rentre dans Mars et on n'a pas d'échappatoire. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est pour aussi évincer cette possibilité de Crysor, Mipho. J'aime pas trop qu'on puisse douter, en fait. Et puis, autre chose, c'est que Crysor possède un secret à propos de la métallite que Mipho ne veut pas avoir révélé. Et donc, il va devoir le tuer. Ça montre aussi la cruauté de Mipho et le froid du personnage qui décide de le tuer. Il s'en fout. Oui, Mipho, lui, il s'en fout. Voilà. Non, mais. Juste, je voudrais revenir pour les auditeurs. Bobo, si on s'était mis ça en tête, c'est parce que dans la chronique, l'idée qu'on avait eue, c'était voilà, si le combat contre Mipho, on gagne, on arrive à éradiquer Mipho, on recrée un gouvernement et Crysor prend la tête du gouvernement. Ouais. Donc pendant 2 minutes, on s'est dit, ça se trouve, Mipho, c'est Crysor qui arrive à boucler la guerre, on n'entend plus parler de la résistance parce qu'il n'y a plus besoin d'en avoir, et il revient au pouvoir de façon démocratique. Ouais, non, c'est clair, ça. C'est ce qui, pour nous, s'est passé. Hein. Mais, oui, d'accord. Hein. Ouais, non, mais clairement, mais bon, c'est... Oui, bon, c'était différent, j'avais aussi l'idée avec Parsamalo. Ouais, non, mais bien sûr. Mais... Bon, pour moi, c'est pas Orion qui est au pouvoir dans votre chronique, à la fin, c'est plutôt Marius. Ouais, mais c'est Orion qui fait la passation, c'est lui qui gère. Là, on est en train de s'avancer, là, les auditeurs vont être perdus, je pense. Mais non, Orion n'est pas. Mais bon, en tout cas, moi je pense que le fait que Orion meure à ce moment-là, ça empêche aussi qu'il y ait un immortel qui prenne beaucoup trop d'importance dans la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a Finnonfinger qui est enfermé, Solipsis qui est décédé, Crysor Orion qui est mort, les bugs sont livrés à eux-mêmes, et enfin, si j'ose dire, la partie finit le grand couloir, comme dans FF13, il y a un moment donné où c'est plus libre. Là voilà quoi, finit le grand couloir de Rebirth et de Death, enfin de vie et de mort, on attaque maintenant, le gros. Quoi. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Et vous partez. Enfin bon, il y aura un petit. Et maintenant on va à Néant. Il n'y a rien à voir du tout. Ouais, il y a un guide aussi, mais il est plus discret, il est plus effacé. Mais bon.
Il y a un immortel quand même, mais il est plus effacé, je pense. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur Crisor ? Tout ça vous a inspiré ? Moi, pas vraiment. Ouais, Flavie ? Rajoutez-en sur la boucle d'oreille. Mais qu'est-ce que t'as avec cette boucle d'oreille ? Mais parce que moi, ça m'a fait triper, écoute. C'était un dessin d'Aurélien, en fait. Il avait fait un dessin de Crisor sur lequel Crisor avait une boucle d'oreille indienne, tu sais, un espèce de colifichet indien. Ouais. Et donc, du coup. Ça, c'est bien Flavie, ça. Ouais, de flasher sur un petit détail qui a aucune importance, mais ça va nous faire chier pendant des mois et des mois, des années avec ça. Les femmes et la géroterie. Non, c'est dingue. C'est dingue. Je crois que tu confonds la coquetterie et la classe. Ah non, mais ça y est, c'est l'instant misogynie là ou quoi? Ah ouais, non, mais on peut en faire. Vous avez dit qu'ils en feraient. N'empêche. Donc voilà. Bref, moi ça m'avait fait triper, mais toujours rajouter des petits détails à la con. Il y a toujours des gens comme moi qui tripent sur les détails à la con. En tout cas, l'idée de ce détail, c'était quand même de dire qu'il y en avait un qui avait une boucle d'oreille droite et l'autre qui avait une boucle d'oreille gauche. Et que on les a deux... fait que la c'est fusion ça. Au dernier scénar. Voilà. On y a tous pensé. Crisaos. Il revient. Mi-fort. Mi-fort. Ouais, ou mi-fion. Et ben voilà, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. On, quand même, on n'omettra pas de vous souhaiter à tous une bonne année de jeu, une bonne année 2011. Une bonne année de débat, une bonne année de... Et jouez bien tout au long de l'année. Voilà, jouez, c'est ça qui compte surtout. Bonne année avec un lance-plasma et des frites. Et justement, aujourd'hui, on se quitte une fois de plus sur la fameuse maxime de John Doe, râlez moins, jouez plus, et notre prochain hors-série leur est consacré. Restez à l'écoute, à bientôt tout le monde, au revoir et bonne année à tous, jouez ciao, bien, ciao. Au revoir.